tombez bien. Désolé d'être si abrupte, mais j'aurais besoin d'un service. Un colis m'attend sur les quais. Une orchidée très rare, en provenance directe de Madagascar. Mais il y a un problème. L'un de mes associés cherche à s'approprier cette fleur. Et il a envoyé ses gredins s'en emparer, l'enfant de Sagouin. À moins que... Merci infiniment.
Cette petite orchidée ne paye pas de mine, mais elle recèle des secrets susceptibles de bouleverser toute notre compréhension du monde. Il aurait été dommage de la perdre. Vraiment dommage. Merci. Cher Darwin, croyez-vous que notre jeune acolyte, pourvu d'innombrables talents, parviendra à assurer la sécurité de Mr. Hammond? Je ne crois pas avoir eu le plaisir de rencontrer Monsieur Hammond. C'est un vieil ami à nous. Il arrive à Londres aujourd'hui. En provenance d'Afrique du Sud, pas moi. Mr. Hammond possède une fortune conséquente et une innocence sans pareil. Ceux qui ont fait une proie de choix pour les personnes les moins recommandables de notre belle cité. Nous pensons qu'il mérite mieux que deux vieillards en guise d'escorte. J'ai fort à faire en ce moment. Nous lui avons déjà dit que vous seriez là. Son train a dû arriver il y a 10 minutes. Dans ce cas, je ne le ferai pas attendre. Splendide! En route, Fry. En route. Doucement, wow. Monsieur Hammond, je présume? C'est exact. Evie Fry. C'est Monsieur Dickens qui m'envoie. Ah, ce bon vieux Dickens. C'est bien urbain de sa part. Je vous suis. Londres. La grisaille ne m'avait pas manqué. Mon père nous a quittés récemment. Et je suis venu à Londres régler ses affaires. Et je dois aussi me marier. Vous n'avez pas l'air très pressé de franchir le pas. Je n'ai jamais vu ma future épouse, Bella Wilton. Tout a été arrangé sans moi. Elle peut être aussi bien une femme agréable qu'une mégère. Je dois hériter d'un gros pécule. Comment m'assurer que ce n'est pas l'argent qui motive sa démarche? Je vais mettre la sincérité de ma promesse à l'épreuve. Ça t'apprend. Me voici officiellement mort et donc dépourvu de fortune. Je vais aller voir Bella Wilton en anonyme. Nous verrons si elle veut de moi. Venez, il faut faire disparaître mon cadavre. Trouvez-nous une voiture et gagnons le fleuve. Bien joué! Que c'est excitant! On se croirait dans un roman.
Allons-y. Je me sens libéré, comme si on venait d'ôter un grand poids de mes épaules. Maintenant, pour me rassurer, acceptez-vous de m'emmener chez ma fiancée. Je vais lui annoncer la triste nouvelle. Ne trouvez-vous pas ça un peu risqué? Elle n'a jamais posé les yeux sur moi. Et puis, je dois savoir si cette personne me plaît. Et je veux être témoin de sa réaction à l'annonce de ma mort. Allez, dépêchez-vous! C'est beaucoup trop long! Doudou, doudou. Je suis sûr que vous avez pris le mauvais chemin! Miss Wilton? Oui? Je m'appelle John Rocksmith. Je crains d'avoir à vous faire part d'une triste nouvelle. Oh? Votre fiancé, John Hammond, a été trouvé mort dans la Tamise ce matin. Oh, c'est affreux! Ce pauvre monsieur Hammond. Pardonnez-moi, monsieur. Je ne sais que vous dire. Elle est délicieuse. Ma foi, je crois que je l'aime. J'espère pour vous qu'elle sera plus curieuse qu'ulcérée. Souvenez-vous de la jeune femme que je devais épouser avant de feindre ma mort afin de découvrir quel genre de femme elle était? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Je suis amoureux d'elle et je peux finalement l'épouser. Pour cela, j'ai besoin de votre aide. J'ai échafaudé un plan magistral. Vous allez la surprendre et l'enlever. Puis, vous la conduirez à un endroit où je vous attendrai. Je surgirai d'un coin obscur, je vous battrai comme un lâtre. Je la sauverai, et je gagnerai son cœur. Avez-vous bien réfléchi? Maintenant, déposez-moi dans un endroit louche afin que j'y prépare mon embuscade. N'importe où, à Lambeth, cela fera l'affaire.
gentil. Allez. L'endroit me semble approprié. Maintenant, allez l'enlever. Elle est à Waterloo Station. Non, étanchez de vous appliquer. Relâchez-moi, tout de suite. What's going on over there? Oh, oh. À quoi rime tout ceci? C'est tout à fait déplacé. Les gens vont le remarquer. Que puis-je dire pour vous inciter à me relâcher? Is that trouble?
Au secours! Cette sauvage m'a enlevée! Ah, je vais vous sauver, madame. Car je suis John Hammond, votre fiancé. Comment? Voilà nos châtiments. Je te domine. Ma foi, cela devient un peu trop réel. Je te domine, sans peine. Prends ça, crapule. Voilà ton châtiment. Je te domine, sans peine. Prends ça, crapule. Voilà ton châtiment. Vous n'essayez pas vraiment de me tuer, n'est-ce pas? Je te domine sans peine. Prends ça, crapule. Quelle heureuse coïncidence que vous ayez été là pour m'aider. Je ne vous le fais pas dire. Si vous le permettez, ma chère Bella, à compter de ce jour, je serai toujours là pour vous protéger. Venez, ma chère, éloignons-nous de cet endroit sordide. Je vais tout vous expliquer. Je suis sûre que Dickens et Darwin seront ravis que leur ami ait trouvé son bonheur. Ainsi, tout est bien qui finit bien. Nos deux tourtereaux sont enfin réunis et vont bientôt convoler. Moi aussi, je rêve de rencontrer un homme qui se fera passer pour mort avant de me faire enlever pour savoir si je suis digne de lui. Et à vous voir, tout cela tient du coup de foudre. Je dois dire que c'est assez amusant. J'adore ce genre de récit. Tout cela me paraît étrangement familier. Je me demande pourquoi. Buvons à John Hammond et à son approche si peu conventionnelle de la séduction. Bien dit. À John Hammond, notre ami commun.